ça c'est bon. C'est bon. C'est bon, je vous remercie. Voilà, merci. Attention, vos lunettes. Je commence bien. Hein. Vous les voyez ? Ouais. J'étais à la radio, là, c'est pour ça. Oui. Vous rirez moins tout à l'heure, c'est pour ça. Alors, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir au nom d'Ombre Blanche, au nom de la médiathèque, et ravi d'accueillir évidemment Sore Chalandon pour Profession du Père. Avant ce livre, il y a eu aussi beaucoup d'autres choses que je vais tenter de résumer. Donc, journaliste, écrivain, membre de la presse judiciaire, grand reporter, puis rédacteur en chef adjoint au quotidien Libération. Il a couvert de nombreux conflits, en Irlande du Nord notamment, ainsi que le procès de Klaus Barbie. Ses reportages lui ont valu le prestigieux prix Albert Londres en 1988, et vous savez qu'il a rejoint depuis la rédaction du Canard enchaîné. Côté écriture, 6 romans tous chez Grasset. Premier ouvrage, Le Petit Bonzi, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui lui ressemble beaucoup, d'un enfant bègue dans les années 60 et qui a reçu 2 prix du premier roman. On suivit le prix Médicis pour Une promesse en 2. Le prix Joseph Kessel en 2008, là, pour Mon traître, un roman autour de la trahison de Denis Donaldson, figure emblématique de l'IRA. Tant que j'y pense, vous pourrez retrouver ses ouvrages à la sortie et je pense que Sorge te fera un plaisir de les dédicacer. En 2011, retour à Killybegs, qui se déroule toujours en Irlande du Nord, toujours autour de la trahison, cette fois du point de vue du traître. Grand prix du roman de l'Académie française. 2013, j'avais eu le plaisir de vous interroger à propos du quatrième mur qui nous amenait au Liban où un projet fou était échafaudé, faire avec les divers membres de la communauté monter la pièce Antigone. Dernier ouvrage, Profession du Père. J'ai le petit résumé, mais je préfère vous laisser ce soin-là. Vous voulez que je le... Alors, c'est une histoire. Alors, si je marche sur des œufs, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai lu déjà plusieurs interviews et que je ne sais pas, je vous parle franchement, si ça vous agace qu'on cherche à faire la part de l'autobiographie et du romanesque. Est-ce qu'on peut parler d'autobiographie ou est-ce qu'on parle vraiment de roman? Vous avez le droit de poser toutes les questions, il n'y en a aucune qui m'agace. Non, c'est vrai. Merci. Non, donc je propose qu'on y aille franchement. Parce que quand on regarde la couverture, j'ai 2 choses à dire sur cette couverture. Allez, on va commencer par je reviendrai au roman tout à l'heure, au mot roman tout à l'heure. Il y a un monsieur qui sourit. Qui rit. Et qui rit, oui, même. Oui, je crois que je ris, oui. Ouais. On ne rit pas toujours dans ce livre. Non. Pourquoi ce choix? C'est vous qui avez choisi ça? D'abord, je voulais dire un mot. C'est juste que j'aurais dû venir vous voir le 14 novembre. Voilà, on a décidé de ne pas venir. On a bien fait ou pas, mais en tout cas, je suis content que vous soyez ici aujourd'hui, ce soir, et je suis content d'être parmi vous ce soir aussi. Voilà, c'est pas ces salauds qui nous en empêcheront. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je ris? C'est parce que c'est un. Alors, on parlera du mot roman. C'est un texte dur qui peut être drôle parfois, mais c'est un texte dur. C'est un texte sur la violence d'un père, la folie d'un père, le désarroi d'un enfant. Donc, c'est un texte qui est difficile. Grasset décide pour la première fois de son existence de faire une jaquette à sa rentrée littéraire. Généralement, c'est juste c'est la couverture jaune littéraire. Et là, on décide de faire des jaquettes et on décide qu'il y aura la photo de l'auteur sur la jaquette. Et j'arrive pour la séance photo. Et pour la séance photo, le photographe fait une blague quand j'arrive. Je ne suis pas encore déshabillé, rien du tout. Et je ris parce que la blague est drôle. Voilà. Et on fait 1 heure de photo. Et on regarde les photos ensemble. C'était entre Calimero et Droupy. Et on s'est dit, alors, attends, pour ce livre-là, s'il y a la photo de Buster Keaton triste, ça va être extrêmement compliqué à vivre. Et c'est vrai.
Et donc, on a décidé de prendre le livre à contre-pied. Et de. Voilà, c'est pas l'enfant qui souffre sur cette photo, c'est l'homme que je suis devenu. Et ça veut dire qu'il a triomphé de l'enfant qui souffrait. Oui, je me permets de rire. Alors, c'est un peu compliqué, vous allez voir pourquoi. Mais je me permets cette photo parce que il y a des passages qui sont des passages drôles. Mon frère, j'ai fait lire ce livre à mon frère et à ma mère avant publication. S'il m'avait dit non, je n'aurais pas publié. Ma mère, on en parlera peut-être, elle a eu une drôle de réaction, mais mon frère m'a dit j'ai beaucoup ri en le lisant. C'est peut-être un peu exagéré. La presse de la Manche a écrit le roman le plus drôle de la rentrée littéraire. Là, je n'irai pas jusque-là. Vous êtes sûr qu'ils l'ont lu ? Je ne sais pas. Je pense que je suis tombé sur quelqu'un qui n'était peut-être pas très, très, vous savez, un peu bizarre. Mais en tout cas, alors, je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, je suis content que l'ouverture de ce livre commence par le rire de l'homme et non pas par les larmes de l'enfant. Or, toutes les photos que j'avais faites avec ce photographe, c'était l'enfant qui était pris en photo. Et je préfère que ce soit l'homme. Voilà. On en vient à... Oui, tout à fait, c'est parfait. Vous me dites, il faut dire quand la question n'est pas suffisante, la réponse n'est pas... Tout va très bien, je vous assure. Pour l'instant. Et je vous remercie. On en vient à... Le roman. Voilà. En fait, cette couverture, elle est très parlante parce que non seulement il y a le mot roman, mais il y a profession du père, on pourrait suivre. La profession du père, c'est de faire du roman aussi. Oui, oh la vache. Ouais. Ah, ça part sérieux. Oui, d'accord. Alors, là, il y a deux questions. Hein. Oui. D'accord. Alors, roman. Je ne sais pas parce que j'aime bien savoir à qui je parle. Je ne vais pas vous demander vos prénoms. Mais juste, c'est un tout petit sondage parce que c'est compliqué de parler à tout le monde pour que tout le monde comprenne. Qui l'a lu, qui ne l'a pas lu, en gros. Qui l'a lu ? Ah oui, quand même. Donc je vois qui ne l'a pas lu. Non, mais je veux dire, c'est important. Je peux pas commencer en disant « Et alors, quand Antoine ?» Tu peux pas faire des choses comme ça. En quoi c'est un roman ? C'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Émile. Et qui est seul face à son père et à sa mère. C'est une sorte d'enfant qui est mangé par une famille qui est une secte et qui va le dévorer. Je n'étais pas seul dans la vie. J'ai un frère. Émile, c'est un mélange de mon frère et de moi. Ce que vit Émile dans ce livre-là, c'est ce que mon frère a vécu et ce que j'ai vécu. Émile, c'est une construction romanesque. Émile va avoir, lorsqu'il sera adulte, il a un fils qui s'appelle Clément. J'ai trois filles. Je n'ai pas de fils qui s'appelle Clément. Construction romanesque. Je ne suis pas, vous le savez, restaurateur de tableaux du 19e ou du 18e même. Construction romanesque. Et je n'ai jamais, comme Émile, mais qu'est-ce que je suis content qu'il l'ait fait, je n'ai jamais eu mon père en ligne de mire avec son propre pistolet allemand. 08, je n'ai jamais vécu cette scène. Maintenant, je l'ai vécu puisque c'est la vérité romanesque. Ces quatre éléments-là sont de l'ordre du roman. Je ne m'appelle pas Émile non plus, donc tout ça fait le roman et tout ça fait que moi, ce qui me bouleverse, ce qui me plaît, ce qui me fait très plaisir, c'est pas qu'on vienne me dire, alors je vous mets à l'aise tout de suite, hein, c'est pas qu'on vienne me dire sur un salon du livre, oh là là, qu'est-ce que vous avez souffert, c'est qu'on me dise, oh, pauvre Émile. Et je me dis, j'ai gagné. Profession du père, roman. Alors, profession du père. Maintenant, j'ai entendu des drôles de choses sur ce livre parce que donc c'est un enfant qui vit avec un père pas que mythomane, puisque mon père est mort comme le père d'Émile. Ça va être compliqué de faire des allers-retours entre Émile et moi, mais donc je vais les faire quand même jusqu'à ce que je me trompe. À un moment donné, je dirais Émile à la place de moi ou moi à la place d'Émile. Mais en tout cas, c'est un père qui meurt en hôpital psychiatrique, sanglé sur un lit. C'est un homme fou, authentiquement fou, c'est un malade, un grand malade, qui a passé 92 ans de sa vie à ne pas être débusqué par personne, mais en tout cas, il termine, je ne sais pas s'il y a des Lyonnais ou pas ici, à Vinatier, ah ben je ne sais pas s'il y a un hôpital psychiatrique ici, mais quand on était petit à Lyon, on disait, tu finiras au Vinatier, voilà. Et donc, mon père a fini au Vinatier, voilà. C'est un immense fou, et... Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais d'accord, peut-être qu'il est fou, mais grâce à sa folie, tu as pu devenir écrivain.
grâce à ta grâce, c'est, d'accord, oui. C'est un fou, mais en même temps, c'est un metteur en scène, en même temps, c'est un transformiste, c'est un illusionniste, c'est un magicien. Et tu as vécu des choses tellement bien que tu en as fait un livre. Et vous êtes d'accord avec ça? C'est dur à entendre, non, j'imagine. Non, je ne peux pas entendre ça. C'est-à-dire que, alors, quand je réponds, et avec vraiment, je suis pas là pour faire un numéro, quand je réponds, j'aurais eu un père charpentier de marine. Mais qu'est-ce que j'aurais été heureux. Enfin, moi, là, excusez-moi, parce que je sors d'une radio, et donc il ne faut pas que j'aie l'impression de me répéter, mais vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit à la radio. Donc, voilà, donc c'est pas grave, mais c'est vrai, parce que c'est des choses qui me hantent. Quand j'étais enfant, pourquoi il s'appelle Profession du Père, ce livre-là, d'abord, pour ceux qui ne l'ont pas lu? C'est parce que ma terreur, quand j'étais petit, c'était nom, prénom, les petites fiches de début d'année. Nom, prénom, profession du père. On demande profession de la mère maintenant. Mais à l'époque, maman, il n'existe même pas. Nom, prénom, profession du père. C'était ma terreur parce que mon père s'inventait des professions sans cesse. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand je me retrouve en classe, je suis petit. Je ne suis pas... Je suis pas Brad Pitt. Bon. Je suis bègue. Je suis petit. Je ne suis pas très beau. Je suis bègue, mais très, 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 très bègue. Et que je dis que mon père, il est agent secret. Il est agent, oui, espion. Le succès est assuré en classe. C'est une violence folle. Et je me retrouve, moi, dans cette situation-là. Et des gens me disent aujourd'hui, ouais, d'accord, mais s'il n'avait pas été comme ça, si ce n'était pas inventé des vies et tout ça, vous ne seriez jamais devenu écrivain. J'ai des amis. J'étais à Annecy avant d'aller à Lyon. Et à Annecy, j'ai des amis. Il y en avait un, il était Maréchal Ferrand. Nous allions le voir, c'était le jeudi à l'époque, que les moins de 63 ans ne peuvent pas connaître. Mais c'était le jeudi. Aller avec ce copain, voir son père qui travaillait la corne, qui travaillait le fer à cheval, qui tapait avec les étincelles, etc. Moi, j'étais bouleversé parce que ce gamin était un fils de maréchal. Excusez-moi. Ce gamin était un fils de maréchal Ferrand. Quand j'avais un copain, un autre père, il était dans une scierie. Et le père, le soir, le gamin s'amusait avec la maman, non pas à l'épouiller, mais à enlever dans ses cheveux les copeaux de sciure, etc., etc. Je n'ai pas eu ça. Alors quand on me dit oui, ça aurait été bien, et que je dis je te jure à la personne qui est là, je vous jure que j'aurais eu un père qui garagiste, qui savait, qui m'aurait appris comment est-ce qu'on démonte un carburateur, vos conneries. Non, je suis en train de vous dire que j'aurais aimé ça. J'aurais aimé que mon père, j'aurais aimé l'aider à enlever le cambouis qu'il y a sous ses ongles. On me croit moyennement, mais moi, je vous promets que c'est vrai. Mais en même temps, est-ce que vous ne dites pas ça à cause de la violence qu'il déployait? Parce que pour le gamin, il ne sait pas que son père est fou. Il est éduqué par un fou, donc il ignore qu'il est fou. Donc, avoir l'adulte, un... il le sait maintenant. Oui, certes. Mais ce que je veux dire, c'est que Vous bégayez en disant agent secret ou espion, oui, mais c'est je vois quand les même rires. Quelque chose oui, mais je vois d'avoir un père agent oui, mais secret. Oui, mais je vois les rires. C'est-à-dire que moi, je crois mon père. Je crois. Ouais. J'ai 12 ans. J'ai 12 ans, mon père est agent secret. Un jour, il est professeur de judo, mais pas professeur de judo. Il est professeur de judo. Des judokas vont venir du Japon pour venir le voir combattre, faire un randori, parce que c'est un champion du monde. C'est... Bon. Il a sauté sur Dien Bien Phu, évidemment. C'est le dernier à être en partie, bien sûr. Pendant l'Algérie française, il y avait Charles Jouot, Salan, Zeller, Chalandon. Jamais parlé de Chalandon. Il me disait, tu verras, mais je suis un homme de l'ombre, c'est pas grave. Quand il y a le nouveau franc qui se met en place, il dit, tu verras, Pinet n'a pas parlé de moi. Évidemment, Pinet n'a pas parlé de lui. C'est-à-dire que... Et j'aime bien... Vous pouvez savoir que... Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette photo qui rit. Parce que je trouve ça, pour moi, c'est important. Mais oui, vous avez raison, je crois tout ça. J'ai prêté à Émile, non pas mon bégaiement, mais mon asthme. Le bégaiement était dans mon premier roman qui s'appelle Le Petit Bonzi, mais je ne voulais pas faire Le Petit Bonzi 2, le retour, il n'est pas content. Vous parlez d'un asthme d'effroi. C'est un asthme d'effroi. Mais quand j'ai ce bégaiement, et quand mon père, tout d'un coup, un soir, il arrive, il est transformé en pasteur pentecôtiste avec une toge noire doublée de velours, avec la Bible qui me met à genoux. Il y a des petites bougies. Oh, Belzébuth sort de ce corps parce que je suis bègue. Je veux dire que tout ça, moi, je crois qu'il est pasteur, je crois, mais je vois le rire des autres. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, personne n'imagine
qu'il y a le père derrière. Tout le monde pense que cet enfant ment. Que cet enfant, je me souviens du professeur. Je me souviens en colonie de vacances. Je ne comprenais pas pourquoi les copains me disaient il est pas devenu pape, ton père. Et je ne comprenais pas pourquoi. Oui, il est agent secret. Oui, mon oncle, mon parrain, Ted, ben c'est le chef de la CIA. Oui, tout ça est vrai. Et moi, je crois que tout ça est vrai, même si je crois ce que dit mon père. Je suis exclu. Je suis exclu de la communauté des enfants. Je suis moqué par la communauté des adultes qui n'imaginent pas que l'enfant répète ce que son père lui dit. On pense juste que je suis un petit menteur. Mais je le perçois mal. Moi, je crois que mon père me disait, tu sais quoi, ils sont jaloux parce qu'ils ont le mépris qu'il avait pour le peuple et pour les gens lorsqu'il passait son temps à dire ils sont cons les gens. Il disait mais tes copains ils sont jardiniers, leur père sont jardiniers, un père il est boucher, ça c'était là. Moi je vais changer la France, tu vois. Comme disait De Gaulle encore avant-hier et tout. Et moi je suis comme ça. Mais ça je crois que c'est vrai, je sais que c'est vrai. Je n'espère pas. Je sais que c'est vrai, je crois que c'est vrai, mais je peux rien en faire. Parce qu'il y a des preuves tangibles. Quand mon père dit qu'il est parachutiste, il a un petit bonnet, un petit béret parachute, je ne sais pas où est-ce qu'il a eu, trop petit, qui est ouvert derrière. Il n'est jamais venu me chercher en uniforme à l'école. J'aurais aimé qu'il vienne me chercher en uniforme à l'école. J'aurais aimé que Ted, mon ami américain, vienne me chercher avec un char d'assaut américain à l'école pour me ramener à la maison en tirant en l'air, en criant « c'est la CIA ». J'aurais aimé tout ça, mais ce n'est pas possible. Donc moi, je me retrouve à raconter tout ce que mon père me raconte sans preuve tangible. Je n'ai pas la forge du maréchal Ferrand. Je n'ai pas la scierie de mon copain. Je n'ai pas le père de l'autre qui est dans une boucherie en train de découper sa viande. Je n'ai pas ça, donc je n'ai rien. Et dans ce livre, vous gardez le regard de l'enfant à tel point que, une fois le livre terminé, on ne sait pas quelle était la profession de votre père. Moi non plus. Mais moi non plus, c'est-à-dire que je... Vous êtes sérieux là? À l'heure actuelle, vous ne savez toujours pas? Mais non. Je sais que ma mère travaillait. Elle était au ministère de la Reconstruction, après-guerre, puis de la construction, qui s'est appelé le ministère de l'équipement et du logement. Elle travaillait, mais mon père, je n'ai jamais su, et je vais vous dire, c'est terrible, parce que j'en ai reparlé avec mon frère, je ne veux pas savoir. Il était en pyjama, il était devant la télé, il était devant la radio, il était sur le balcon, il se promenait, je le voyais parfois une terrasse de café, toujours le même. Il était chez le garagiste, monsieur Legris, qui s'appelait Monsieur Lenoir, ou Attichoche chercher tout ça. il avait des petits quartiers généraux comme ça, où il dispensait ses mensonges devant des gens plus ou moins crédules. Mais en tout cas, son métier d'homme, il n'en a pas eu. C'est-à-dire que je pense que c'était juste un chômeur de longue durée ou de vie entière, qui n'a jamais été ni débusqué, ni signalé, qui a passé tout. C'est-à-dire que Pour ceux qui l'ont pas lu, mais c'est quand même le vieux médecin de famille de mon père, qui était le médecin de famille de mon père, de ma mère et le mien. Et ce médecin de famille, donc, il a ausculté pendant plus de 30 ans. Et donc, qu'est-ce que fait le médecin de famille? C'est le cœur, c'est l'attention, c'est les yeux, point à la ligne. Et quand mon père est tombé malade, c'est-à-dire en tomber vraiment malade, c'est-à-dire 5 mois avant qu'il ne meure. Hein, 5 mois avant qu'il ne meure, je sais qu'il va être dangereux pour lui-même et pour autrui. Il commence à m'appeler en pleine nuit en disant « Il faut que tu viennes, il y a une folle là, dans l'appartement, elle dit qu'elle est ta mère. Il faut que tu viennes parce que j'ai peur qu'elle me tue. » Là, il y a un danger absolu. Ce vieux médecin, je l'appelle et je lui dis « Docteur, il faut faire quelque chose. » Et sur un ton très pontifiant, c'est un vieil homme, hein, près de prendre sa retraite, donc il aurait dû prendre sa retraite. Et ce vieil homme qui dit, écoutez, je connais les jeunes qui veulent profiter de l'héritage, oui, la captation de l'héritage, déjà je suis complètement fou. Il est interné, mon père est interné. Il a frappé ma mère, il s'est promené, c'est pas dans le livre je crois, mais il s'est promené tout nu sur le palier, enfin il tapait les portes, etc. etc. Il est interné. J'écris à ce médecin, je lui dis « Bravo, docteur. » Et là, je reçois une lettre, et là, je dis « Oh, papa, trop fort. » Une lettre qui dit « Monsieur Chalando, sincèrement, comment pensiez-vous que je puisse faire placer un compagnon de la Libération à qui De Gaulle avait demandé d'infiltrer la SS ?
Et là, tu dis, chapeau papa, chapeau. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve, j'ai 12 ans, je suis un enfant, mais qu'un médecin, aujourd'hui, avec Internet, à l'époque encore, mais aujourd'hui, on tape Compagnon de la Libération, on a tous les noms. On a absolument tout. C'est-à-dire que tout est à disposition. Mais là, il vit, il a vécu avec des mots, il a vécu avec des images, il a vécu avec des personnages qui n'existaient pas. Et c'est en écrivant ce livre et en parlant beaucoup avec mon frère que l'on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on était seul ? Dans le livre, Émile est seul. Il y a son père, sa mère et lui. Mmh. En fait, il y avait mon frère, Yves, à qui le livre est dédié. Yves, oui, moi, mon père et ma mère. Et on s'est toujours dit, mais pourquoi est-ce qu'on était seul ? Mais c'est une solitude que vous n'imaginez pas. J'espère que personne ne la vit ici ou dans votre entourage. Mais seul, ça veut dire pas d'amis, bon, pas de parents, pas de voisins, pas de cousins, personne. C'est-à-dire que personne ne rentre chez nous. Mon père et ma mère seuls ont les clés. Les enfants n'ont pas la clé de la maison. On n'a pas le droit d'inviter des gens. Jamais personne n'a franchi notre seuil. Je ne me souviens pas d'un... Et quand quelqu'un tape à la porte ou sonne, mon père fait... comme ça, et on se tait, c'est peut-être le gaz, c'est peut-être n'importe quoi, et quand il part, il dit, ah, on l'a bien eu. C'est une secte morte, c'est une secte close, comme ça. C'est un enfermement absolu. Et mon frère m'a dit, et j'en suis sûr, il dit, mais Sorge, il a été débusqué, il a été démasqué toute sa vie durant, et chaque fois qu'il était, il a rompu les ponts. Nous étions ses derniers spectateurs. Il est mort en quelle année ? Il est mort là, Il est mort le 21 mars 2014. Quel regard portait-il sur votre carrière ? Je te l'avais bien dit, que tu ferais un peu ce que j'ai fait. Enfin, pas exactement ce que j'ai fait, mais tu n'as pas été au Vietnam parce que tu es trop jeune. J'ai été correspondant de guerre pendant 22 ans. Et quand ils savaient que j'étais à Beyrouth, etc., toute la guerre Iran-Irak, je l'ai fait du côté des Irakiens, je suis adulte. Maintenant, je sais qu'il ment. Alors, je ne sais pas s'il ment ou s'il est fou, mais je sais que tout ça fait partie de sa folie. Quand je rentre, moi, je suis à Paris, il est toujours à Lyon. Quand je rentre, j'appelle quand même, même si on s'est fâché très fort, même si je leur en voulais énormément, j'appelle quand même pour donner de mes nouvelles. Il me dit, alors, ça a bien tapé, là ? Je dis, oui, c'était assez violent et tout ça. Et t'as rien remarqué, à un moment donné ? Rien remarqué. T'es plus con que je pensais, alors. Je dis, mais quoi ? J'ai remarqué quoi ? Est-ce qu'à un moment donné, alors, il avait une chance sur 1000, mais parfois, ça tombait juste. Il n'y a pas eu un moment où tu étais dans une voiture, il y a eu un tir. Je dis, bah si, bien sûr, il y a un tir. Et voilà. Et le mec, il t'a raté. Oui. Et pourquoi il t'a raté, tu crois ? Bah, parce qu'il m'a raté. Non. Parce que quand on donne l'ordre de rater mon fils, on rate mon fils. Et donc là, moi, je suis bah, j'ai envie de pleurer. Je partage rien. J'ai pas de. Je lui dis bon ben voilà et puis salut. Il y a dans le livre pour moi c'est un des moments qui est très 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 dur je crois. Il m'est arrivé peu de bonnes nouvelles dans mon enfance mais un jour j'en ai une et une nouvelle qui me magnifiait, qui me rendait heureux. C'est que mon grand-père paternel, avant qu'on se sépare, parce qu'il a coupé, évidemment, avec les grands-parents, mais il y avait un petit concours dans le Progrès de Lyon. Il fallait dessiner, alors je me souviens très, très bien, c'était des mousquetaires. Et il y avait des mousquetaires, il y avait plusieurs petits dessins. Il fallait en colorier un et l'envoyer au journal. Et si le coloriage était bien fait, on avait des places pour, je crois que c'était la vache et le prisonnier. Deux places pour aller au cinéma. Oui, bien sûr. Deux places pour aller au cinéma. Et donc, je colore du mieux que je peux avec mon grand-père. Et mon père, qui est dans une rage folle, il me dit, mais qu'est-ce que tu crois ? Mais les journalistes, tous des pourris, tout vendu. Mais il se prend pour Picasso. Mais c'est moche, ton truc. Et moi, j'essaye. Et il veut pas... Et je me souviens, c'est pas dans le livre, je voulais pas... Je me souviens, il le prend, il le jette, il le froisse. Mon grand-père le défroisse, le met dans une enveloppe
et nous recevons à mon nom une petite lettre avec un petit timbre et dedans deux invitations pour aller au cinéma qui s'appelait La Fourmi. C'est marrant, comme c'est, excusez-moi, j'ai une vision qui est terrible, mais c'est comme les prisonniers ou les déportés qui se souviennent par cœur du numéro de leur cellule, où il y a des mots comme ça qui à vie resteront. Il y avait La Cigale et La Fourmi, les deux cinémas de Lyon, les petits cinémas de... Et là, c'était La Fourmi, et donc je gagne. Et mon père, ma mère qui était heureuse pour moi, j'avais réussi quelque chose. Son fils avait réussi quelque chose. Et mon père qui fait... là, 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 là. Et donc, on va voir ce film. Eux deux prennent la place et m'en achètent une, parce que c'était mi-tarif pour les enfants. Donc, nous sommes trois. Et mon père explique aux voisins, il était très fier parce que c'était écrit exonéré sur les tickets. Il commence à expliquer à un pauvre monsieur, nos pauvres voisins, chaque fois c'est une catastrophe, un pauvre monsieur qui est là. Alors, il y a mon couillon de fils, là, c'est ce qu'il croit. Il croit qu'il explique que j'ai dessiné, etc. etc. Mais en fait, je vous explique. Et moi, j'écoute. Le patron du cinéma, monsieur, je ne sais plus quoi, pendant la guerre, il a eu des gros problèmes. Et moi, je l'ai caché. Je l'ai caché 4 mois. Et en gros, je lui ai sauvé la vie, quoi. Alors, quand j'ai su que cet imbécile avait fait cette lettre, ce mot, je suis allé le voir en disant, attends, bon, ça serait tellement ça. Ça lui ferait tellement plaisir. Si... Et j'apprends, finalement, que si je suis là, c'est grâce à papa. Et je l'ai remercié. Je dis, terrible. Oh, c'est terrible parce que brusquement j'étais dévalué, j'étais démonétisé, mon dessin était une petite crotte qui n'avait aucune importance et mon papa m'avait permis de voir ce film. Et je trouve cette violence là, ouais. après coup, quand tout revient en mémoire, c'est pire que les coups. Et c'est curieux que, enfin, pas forcément curieux justement, que vous ayez raconté cette anecdote juste après la question que je vous ai posée sur votre statut de journaliste, comme si, le fait d'avoir eu la carrière que vous avez, pour le moins honorable, vous la lui deviez aussi à ses yeux presque. Alors, j'espère que je ne suis pas qu'un homme contre. J'espère que je n'ai pas. Je comprends ce que vous dites. Oui. Parce que si c'est ça, c'est un échec. C'est-à-dire que, alors. Quand je me retrouve, ils vont dire, il est comme son père. Quand je me retrouve en Jordanie à serrer la main du roi de Jordanie, vous dites ça y est. Oui, sauf que moi c'est vrai. Mais quand je me retrouve en Jordanie à serrer la main du roi Hussein, et quand je lui serre la main, mon père savait que je partais en Jordanie, et il me dit, si tu vois le roi, tu dis bonjour de ma part. Parce que je me suis bien gardé de faire. Mais en tout cas, moi je rentre. Quand je serre la main du roi Hussein, tous les journalistes qui sont en randonnion et ils servent la main, et pour chaque journaliste, il y a une photo, c'est leur cadeau souvenir qu'ils rapportent à la maison, le roi Hussein et le journaliste qui est là, qui serre la main. Mais quand je serre la main, je me dis dans ma tête, et là vous avez raison, je me dis, tu vois papa, moi je l'ai fait. Merci. Moi je l'ai fait. Donc j'espère que je ne l'ai pas fait que pour ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et c'est incroyable comme ce livre a débloqué des choses, pas à débloquer, parce qu'elles sont rebloquées après, mais on en reparlera, c'est-à-dire que je me suis rendu compte en écrivant ce livre-là, qu'en fait, une des choses que mon père avait semé en moi, c'était de la violence, infiniment de violence. Et cette violence, c'est mon enfance, ma jeunesse dans le quatrième mur, hein, c'est... la jeunesse militante, la violence physique, je ne parle pas de la violence des mots, et j'ai l'impression que je suis allé épuiser la violence de mon père dans tous les lieux où la violence est la pire. 22 ans de correspondant de guerre, je ne me suis jamais posé la question pourquoi. Alors pourquoi évidemment, pour comprendre, pour y être, pour être dans des lieux de conflit, pour rapporter, pour témoigner, etc. D'accord, mais au fond, du fond, du fond, du fond. Et je suis sûr qu'au fond, du fond, du fond, je suis allé tuer la violence de mon père dans des lieux où cette violence était en danger de mort. Et votre rapport au mensonge ? Alors, il est compliqué parce que j'ai trois filles. Alors, ça, c'est très compliqué parce que je suis un père injuste là-dessus. J'ai une petite fille de 6 ans. Hein, c'est l'âge où... Une fille de 6 ans, qui est petite, pas une petite fille. Non, parce qu'on me dit, quand je vais avec elle à l'école, elle me dit, papa, tu pourrais me laisser au coin de la rue quand même ?
On a tous connu ça. Ah, vous avez connu? Ah oui. Et je dis, mais pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit, c'est bien que tu viennes avec ton papy. Et parce que... Ah oui, mais c'est atroce. Oui, parce que dans... dans pour ça ou d'autres raisons, mais on a toujours les oui, les mais là, c'est... et 6 ans, où mes autres filles, bon, qui sont passées par tous les âges, normal. Mais l'enfant a du mensonge et de la vérité, quelque chose qui est extrêmement approximatif. Qu'est-ce que tu as eu pour déjeuner à midi à l'école? Des Smarties. T'es sûr? Oui, oui. N'importe quel père ferait me retaper. Et moi, je ne supporte pas. C'est-à-dire que, et c'est, il faut que, il faut, ça c'est un point, depuis que j'ai fait ce livre, j'ai plein de psychiatres qui m'envoient leur carte. Ça serait bien que vous veniez voir, mais juste comme ça, on discuterait, tout ça. Mais il faut que je travaille sur l'acceptation du mensonge. Et ça, c'est un truc qui est pas simple du tout. Il faut que j'accepte. Excusez-moi, mais c'est tout propre, c'est tout neuf, c'est tout récent. C'est ce matin, ma fille petite, 6 ans. Depuis 4 jours, elle me tanne pour acheter des bonbons. Et je veux des bonbons, je veux des bonbons, je veux des bonbons. Et puis j'achète des bonbons. Et je lui en donne un. Et je vois qu'elle prend le paquet et qu'elle le cache dans son sac. Et je lui demande ce qui se passe. Mais rien, c'est pour des amis, c'est rien. C'est que je... et petit à petit, de fil en aiguille comme ça, j'apprends qu'en fait, dans les toilettes de l'école, elle a endommagé quelque chose. Et ses copines ont dit, on le dit, sauf si tu nous apportes des bonbons. Ah, et raquette. C'est d'une violence inouïe. C'est, ah ouais. c'est la grande section de maternelle. C'est quand même, c'est hallucinant. Et le fait qu'elle ne m'ait pas dit la vérité tout de suite, j'ai été blessé, alors que je ne devrais pas l'être. Alors que je devrais être un père en disant, voilà, on discute, etc. Mais ça me rapporte au socle de mensonges, mais je sais que je devrais... voilà, il faut que je travaille sur ça. Ça me rappelle, là, cet écho de votre propre vie sur le comportement de votre fille. Je déborde un peu de ce livre, mais dans le quatrième mur, vous racontiez la fois où la fille, ou à propos du quatrième mur, elle fait tomber une glace... racontez-le, vous le raconterez mieux que moi. Mais non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que... Alors donc, c'est un autre livre qui s'appelle Le Quatrième Mur. Avec ce livre-là, je vous le promets, je ne reparlerai plus du père. Il n'y aura pas le père 2 vu par le fils, puis après par le chat, par... mes livres sur l'Irlande, j'en ai fini, je pense. L'Irlande est retournée à ma sphère intime. J'en ai fini avec la guerre d'Irlande et la trahison de Dennis, surtout. Enfin, j'en ai fini. J'ai fait le deuil de ma rancœur sur mon père, on en reparlera peut-être, sur l'Irlande, etc. Sur la guerre, ce livre-là m'a fait faire le deuil de ma rancœur aussi, parce que le problème que j'ai eu avec donc le quatrième mur, vous le disiez, c'est un metteur en scène de théâtre. Donc là, je suis restaurateur de tableaux, dans un autre, je suis metteur en scène de théâtre, dans un troisième, je suis luthier, c'est-à-dire c'est pour moi, c'est ma partie romanesque, je me cache, je me protège. Même si le masque est transparent, je n'ai pas envie d'être Serge de Chalandon qui dit « Ah là là, je n'ai pas envie de ça, c'est dégueulasse. » Puis on peut pas en plus mettre des journalistes dans la littérature, il y en a déjà assez dans les journaux, on va pas... Donc je préfère qu'il y ait des luthiers, par exemple. Mais dans le quatrième mur, moi, ce que je voulais faire, c'est un aveu, en fait. Donc c'est un metteur en scène de théâtre qui va au Liban en 82 et qui veut monter la pièce d'Antigone sur la ligne de front. Je vous rassure, il n'y arrivera pas. Mais en tout cas, parce que ce n'est pas un polar, ce n'est pas grave de vous le dire. Mais il y a une tentative sur les lignes de front en volant dans chaque camp un combattant. Druze, chiite, sunnite, chrétien, évidemment, maronite, etc. Et que l'on arrête, qu'on laisse dehors les voiles, les kéfiers, etc. Et qu'on devienne Aemon, qu'on devienne Antigone, qu'on devienne Créon. Et qu'on, voilà. Et j'ai trouvé ce subterfuge, en fait, pour retourner à Sabra et Chatila. Je suis rentré dans les camps martyrisés en septembre 82. Nous étions 3, François Luzet du Figaro. C'est important de le dire, parce que c'était un moment les pires de ma vie. Samy Ketz de l'agence France Presse et moi, nous sommes entrés dans les camps avant le Croissant-Rouge palestinien, avant la Croix-Rouge, avant les secours, avant tout le monde. C'est-à-dire que l'on a découvert le massacre des femmes, des enfants et des vieillards intacts avant que les corps soient bougés. Enfin, c'était une épouvante. Et l'homme que je suis, malgré tout ça, ces 22 ans de guerre, donc où j'allais épuiser la violence de mon père,
J'étais tombé amoureux de la guerre. Je n'étais pas tombé amoureux des morts, je n'étais pas tombé amoureux des massacres. J'étais tombé amoureux de ce que j'étais, moi, en guerre. C'est monstrueux à expliquer, mais je trouvais que la guerre était un moment où tout comptait, double, tout comptait mille. On ne peut pas dire en guerre à quelqu'un « à demain », on ne sait pas s'il y aura un demain. Donc on reste ensemble le soir, on reste ensemble la nuit, on ne bouge pas. On peut pas se mentir, on ne peut pas. Alors, il y a des trahisons immenses en temps de guerre, mais il y a des fraternités que nulle part, que la paix jamais nous offrira. Et tant mieux peut-être. Mais en tout cas, je me suis retrouvé. Et ça a brisé mon couple, ça a brisé ma vie, ça a brisé plein de choses. Je me suis retrouvé avec l'envie toujours de repartir et de repartir et de repartir. Je reviens à la boule de glace, mais c'est pas possible. Lorsque vous êtes en guerre, c'est pas possible. Même si vous êtes journaliste, même si vous savez que la guerre, cette guerre-là, elle est à 4h30 d'avion de Paris, que vous rentrez quand vous voulez, que vous allez, mais en même temps, vous laissez les gens. Vous êtes dans un abri, vous êtes avec des gens terrorisés sous les bombes, vous pouvez partir, vous pouvez vous en aller. Eux, lorsque vous partez, vous les laissez seuls. Donc il y a cette volonté de rester, mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est ce que je me disais, cette volonté de témoigner, mais il n'y a pas que ça, c'est pas vrai, c'était autre chose. Et ce qui était autre chose, c'est que j'étais bien, mais j'avais une impression de vivre quelque chose de moi qui était de l'ordre de la barbarie, et cette barbarie-là, elle m'allait. C'est terrifiant d'expliquer ça. C'est terrifiant de l'avouer. Des centaines de reporters connaissent ça, des soldats connaissent ça, des médecins militaires connaissent ça, des humanitaires connaissent ça. Et surtout, lorsqu'on rentre, vous avez traversé des rues avec des femmes qui portaient leurs gamins. Vous traversez ces rues sous les tirs des snipers pour aller chercher de l'eau croupie pour boire, parce que la soif est importante, parce que c'est une question de vie ou de mort. Vous rentrez chez vous et vous avez une petite pisseuse de 6 ans qui dit « Oh, il n'y a pas de coca dans le frigo, c'est nul. » C'est comment on fait ? Comment on fait ? Et moi, je me suis retrouvé là-dedans. Comment on fait pour revenir en paix ? Comment on fait pour accepter ça ? Comment on fait lorsque ma petite fille, ma vraie fille qui s'appelle Sarah, et qui s'appelle Louise dans le livre, dans l'autre livre, mais comment on fait brusquement quand je suis avec elle dans un square, qu'elle fait tomber sa petite boule, sa petite boule de glace de merde au chocolat par terre et qu'elle pleure et que nous sommes dans un square parisien un dimanche avec les barbes à papa, et moi je me mets à genoux devant elle et je hurle, mais t'as pas le droit de pleurer pour une glace chocolat, et je hurle, mais qu'est-ce que ce monde où on pleure pour une glace, et les gens s'approchent et on pense à appeler la police et tout, et je sens que je suis en train de mourir, je suis en train d'être un barbare. J'ai rapporté cette saloperie en moi. Chaque fois qu'on part en guerre, on laisse des morceaux de soi là-bas, et chaque fois qu'on vient, on en rapporte des tonnes. Et c'est là où je me suis dit, il faut que j'arrête. Et j'ai arrêté. Ça a pris du temps parce que j'ai refait la guerre du Golfe. Après, j'ai refait plein de guerres, mais je savais que l'heure était venue. Et j'ai écrit le quatrième mur parce que je voulais savoir ce qui serait advenu de moi. Donc Georges, c'est ma part d'ombre. Georges, c'est mon deuxième prénom. Et Georges, je l'ai envoyé monter Antigone à Beyrouth, en sachant qu'il ne pourrait pas, et je ne voulais pas qu'il y arrive, parce que ce n'est pas possible, parce que les Israéliens attaquent en juin, parce que Sabrech Attila en septembre. Moi, je fais tout en sorte, je monte cette pièce avec Georges, en sachant que Georges, moi, ce que je veux, c'est qu'il ne rentre pas, parce qu'il n'y a pas de place pour deux ici, il n'y a pas de place pour lui et moi. Et quand j'écris ce livre-là, c'est, j'écris, je décris et je raconte, moi, de dos qui s'en va, qui s'appelle Georges, et je veux qu'il meure, et je sais qu'il va mourir, et je sais aussi qu'il va tuer. Mais en tout cas, la littérature, je suis désolé, mais ça peut servir aussi à ça, c'est-à-dire à tuer la saloperie qui est en vous. Alors, à part ça, Georges, il est là, hein. Oui. Il se marre, il me voit, là, il se dit, pff, il rigole, il tourne autour, il me hante, etc. Mais en tout cas, quand j'ai écrit ce livre sur la guerre, c'était pour en finir avec ce qu'il y avait de guerre en moi. Et vous avez laissé échapper quelques mots à propos de Profession du Père en disant « j'ai déverrouillé, puis j'ai reverrouillé ». Ça voulait dire quoi ? Non, alors j'ai débloqué peut-être. Ou débloqué, ouais, pardon. Oui, bah alors expliquez-moi. J'ai eu d'immenses moments de tendresse en fait pour mon père et ma mère en l'écrivant. Et ça s'est un peu refermé une fois que le livre était clos.
à cause du regard des autres. C'est étrange. Hein, c'est, mon père était fou, ma mère était... peut-être qu'on en parlera, mais... On va en parler, tout à fait. Mais en tout cas, la réception de ce livre dans ma famille, chez les gens, la façon d'en parler, m'a fait reculer un peu. C'est-à-dire que mon frère a lu ce livre et il m'a dit « Mais c'est un livre d'amour, comment peux-tu » Et je ne le regrette pas. Je ne regrette pas. Parce que mais vous le dites. Vous oui, dites c'est un livre d'amour. Et avec cette phrase magnifique, « Je m'en voudrais tellement de toujours l'aimer. » Voilà. Et peut-être que j'ai un tout petit peu réduit cette phrase aujourd'hui. Voilà. Et à propos de phrases que vous venez de prononcer aussi au début de l'entrée, vous, incluant votre maman, votre mère, vous avez dit « je leur en veux ». Elle y était, elle. Oui, parce que maintenant, je le sais maintenant. Mon père est fou, il était psychiatrisé. Mais pas votre mère. Alors, qui était ma mère ? Ma femme qui a lu ce livre, elle a eu une phrase monstrueuse. Elle a dit « à maman, sa vie, elle ne sert à rien ». Et c'est une phrase qui me terrifie. Cette femme, ma mère, elle a assisté à tout. C'est-à-dire qu'elle a assisté à son enfant à genoux avec ce dingue qui fait l'exorciste. Elle a assisté au père qui rentre en disant... Parce que le thème du livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, en fait, c'est qu'un jour, il rentre dans la chambre. Après l'attentat du petit Clamart, il rentre dans ma chambre, il rentre dans la chambre d'Émile. Et il dit, voilà, on l'a manqué, De Gaulle. Parce que c'était son meilleur ami, avant l'Algérie. C'était un très proche de mon père. D'ailleurs, mon père devait avoir 12 ou 13 ans. Et il lui a envoyé tout un truc sur la guerre mécanisée. C'est-à-dire qu'il a fait un petit recueil de ses pensées, mon papa, en disant que la guerre mécanisée, c'était le seul moyen de remporter une guerre moderne. Et il l'a envoyé... De Gaulle était un sous-officier de rien du tout. Il l'a envoyé parce qu'il aimait bien le nom De Gaulle, il trouvait ça beau. Et figurez-vous que De Gaulle a repris toutes les notes de mon père, il a fait un livre sur la guerre mécanisée, il n'a même pas remercié, c'est pas dans les remerciements, j'ai cherché. Nul. Et il avait raison, c'est-à-dire que... Donc De Gaulle était proche de mon père était proche de De Gaulle. De Gaulle envoyait des lettres à mon père que mon père donnait. Il a donné à un garagiste, il a donné à un médecin. Bien sûr, alors je peux peut-être lire... le facsimilé, si on le trouve, si c'est pas trop long. Mais donc, il faudrait qu'on enlève le nom d'Émile Choulan et qu'on mette le nom de mon père à la place. Mais ce sont des lettres cordiales, sympathiques, etc. Alors peut-être qu'on va la trouver. Non, c'est plus au début, je crois. C'est plus au début. J'adore parce que chaque fois qu'on trouve un truc, jamais. ça marche jamais. C'est comme les... C'est comme les deux chaussettes qu'on met dans les deux chaussettes qu'on met dans la machine, puis il n'y en a qu'une qui sort. Donc, papier en tête, etc. Le général de Gaulle, Paris le 7 septembre 1954. L'homme s'appelle Choulan. Je l'ai appelé Choulan pour les Lyonnais, il n'y a pas. Mais la montée de Choulan, c'est une grande montée lyonnaise. On dit une montée là-bas. C'est comme si, par exemple... ça aurait été un Parisien, je l'avais appelé Champs-Élysées. C'est grotesque, en fait. Mais c'est pour les Lyonnais. Paris, le 7 septembre 1954. Choulan, mon cher compagnon, une fois de plus, vous avez trouvé le mot juste. Traversée du désert. Je reprends cette image à mon compte, si vous le voulez bien. Espérons toutefois qu'une oasis est proche et que vous et moi, de nouveau réunis, pourrons nous atteler à la tâche exaltante de redresser la France. Croyez, mon cher André, à mes sentiments les plus cordiaux. Et ça, mon père se fabriquait des petites lettres comme ça. Donc, De Gaulle était son pote et il y a eu l'Algérie. Mon père a souvent choisi le camp qui n'était pas le camp majoritaire, puisque pendant la guerre aussi, il avait choisi le mauvais camp, mon vrai père, pas Choulan. Et donc, la guerre d'Algérie arrive et De Gaulle n'est plus son copain. Donc, ses copains s'appellent Charles, Jouot, Salon, Zeller. Il y avait Chalandon, mais on n'en avait jamais parlé. Il me disait, tu verras. On ne parle que des quatre premiers, parce que c'est pratique. Les journalistes, tu sais, ils ne vont pas au bout des... Donc, Charles, Jouot, Salon, Zeller, Chalandon. Hein, je vous le dis, voilà, maintenant, il y a prescription. Le
le petit Clamart, attentat raté. Et là, là, il dépasse toutes les bornes parce que agent secret, espion, judoka, professeur de judo, il a créé les compagnons de la chanson. Oui. Ah oui, ça c'est. Ah, c'est pas le moindre fait non, de gloire, ça. C'est lui qui a inventé les compagnons de la chanson. Le problème, c'est que Piaf est tombée amoureuse de lui. Et qu'il y a eu de la jalousie dans le groupe. Et donc, il a préféré quitter. C'était en gros, c'est simple. Soit il partait avec Piaf et le groupe mourait. Soit le groupe continuait sans lui. Eh bien, il s'est sacrifié. Et moi, je trouve ça formidable. Donc, il a fait tout ça, et ce soir-là, il rentre dans la chambre, cette nuit-là, c'était la nuit, il rentre dans la chambre du petit Émile, et dans ma chambre, et il dit « Debout !» Alors, je ne sais pas pourquoi, à cette époque, il faisait froid. On avait froid dans les lits, dans les chambres, j'ai l'impression que c'était moins chauffé. Ouais. Alors, on dormait en slip. Hein, mais j'ai des souvenirs de... Tout était glacé, donc je suis comme ça, je suis terrorisé. Mon frère n'était pas obligé de se lever, lui. Mon frère était « Garde à vous !» Je me mets « Garde à vous !» Parce que c'est ça aussi, c'est cette violence. Il dit « Voilà, je t'explique. Désormais, tu n'es plus mon fils, tu es un soldat. Je ne suis plus ton père, je suis un officier. Je t'explique, tu as entendu parler de l'Algérie française à la radio, à la télévision, etc. On l'a raté, le grand con. Bon. Mais on va remettre ça. Et pour remettre ça, il nous faut un enfant. Et cet enfant, ça sera toi. Pendant deux mois, et là nous touchons, et on va parler de la maman, parce qu'elle est là, la mère, nous touchons à l'effroi. Moi, je me couche, je suis un collégien. Au milieu de la nuit, mon père m'explique que je vais être un assassin, pardon, un résistant, et que je vais tuer De Gaulle. Alors, évidemment, avec le recul, et mon frère qui me disait maintenant, il dit, mais... Parce que lui, il n'y a jamais cru. C'est une très, très belle histoire. On en a parlé il y a 10 jours au téléphone. Il m'a avoué qu'il avait très peu cru. Mon frère a 19 mois de moins que moi. C'est mon petit frère. Il dit, moi, je ne croyais pas tellement que ça. Et je dis, mais moi, comment ça se fait que je croyais? Il m'a dit, parce que tu l'aimais. Et j'ai trouvé cette phrase terrifiante. Oh, terrifiant. En tout cas, mon frère est là, ma mère est là. Et... mon frère m'a dit il n'y a pas longtemps, mais est-ce que tu te souviens quand même que tu lui avais demandé, mais comment je le reconnaîtrais? On vivait un rue du commandant Charcot à Lyon, sur la butte de Saint-Irénée. Il dit, bah, écoute, il va venir rue du commandant Charcot. Déjà, aujourd'hui, ça nous ferait sourire. Et tu verras, il est assez facile à reconnaître, il est toujours en uniforme, il a les bras levés souvent. Alors, maintenant... Maintenant, on se marre, mais quand vous êtes petit et qu'on vous explique... Mon père a une arme, une vraie, puisque maintenant qu'il est mort, ça a été terrible d'ailleurs, parce que cette arme dont je parle dans le livre, ben, j'en ai hérité. Puisqu'il est mort, ma mère, elle m'a dit, je ne sais pas quoi faire de ça, donc je l'ai prise. C'est un Luger P08 allemand, c'est un vrai. C'est un pistolet automatique allemand avec des armes réelles. Et donc, il m'explique qu'on va tuer De Gaulle, que je vais tuer De Gaulle, que je vais être celui qui va s'approcher et le tuer dans le dos parce qu'il ne mérite pas d'être tué de face. Et rendors-toi après ça. Là, la mère, là. D'abord, lui ne travaille pas. C'est elle qui rapporte l'argent au ménage. Elle, je lui ai pas demandé. Tant pis, elle ne nous a pas sauvés, elle ne nous a pas emmenés, elle ne nous a pas pris sous ses bras, nous emmenant dans une chambre de bonne pour divorcer. C'est difficile, nous sommes dans les années 60, c'est dur et tout ça, mais elle peut le faire. Lorsqu'on touche à ses enfants parce qu'il y a la violence physique, elle peut le faire. Sauf qu'elle ne le fait pas, tant pis, elle est terrorisée, elle est comme nous, elle est prisonnière, j'entends tout, je comprends tout, tant pis pour elle, tant pis, c'est comme ça. Mais qu'elle n'est pas à un moment donné, qu'elle ne se penche pas sur le lit de son enfant pour lui dire, tu sais, papa dit que vous allez tuer De Gaulle, mais ne t'en fais pas, c'est que dans sa tête, ça ne se produira pas. Si elle avait simplement dit ça, la vie aurait été différente. Vous analysez pourquoi elle ne l'a pas dit? La terreur. Je pense qu'elle a vécu sous la terreur, un règne de terreur, et que, enfin,
Vous verrez, il y a l'histoire et une terreur qui a perduré après sa mort, puisqu'il y a la fameuse histoire de Ted. Donc j'avais un Ted, c'est mon parrain. Il est américain. Mon père l'a rencontré à la base américaine de Châteauroux. Les Américains étaient chez nous, je vous rappelle. Et mon père me raconte que Ted, il lui manque un bras. Je vais te dire pourquoi, me dit-il. Parce qu'un jour, j'étais avec lui en Jeep, parce que les Américains ont des Jeeps. On mâchait du chewing-gum. Les Américains mâchent des chewing-gum. Ted est grand héros. Les Américains sont grands héros. Et il conduisait sa Jeep. Et tout d'un coup, sur le tarmac, je ne sais pas s'il y avait un tarmac, mais en tout cas, on est heurté par un camion. Et Ted s'arrête, heurté violemment. Et il dit, Jean, il s'appelle Jean, mon père, je crois que j'ai perdu quelque chose. Et bien, c'était son bras. Il l'a ramassé, mais sans rien. Pas pleurer, pas chouiner. Il l'a ramassé. Il dit, je vais essayer de réparer. Et ils n'ont pas pu réparer, mais maintenant, Ted a un bras en moins. Bouche ouverte. Et vous savez, j'ai un classe formidable. Sous le préau, je raconte le parrain américain. C'est le chef de la CIA. Bien plus tard, dans l'assassinat de Kennedy, et un agent secret, ou quelqu'un de la sécurité, saute sur la voiture de Kennedy. La voiture rose. Non, c'est elle qui était en rose. Et le tire en arrière. Il dit, tête, regarde, tête. J'étais attiré avec ma mère. Et je dis, mais il y a deux bras. Les progrès de la médecine, tu n'imagines pas. Donc ça c'est Ted. Et Ted, j'ai vécu avec Ted à peu près 3 ans. Je devais le voir, mais je n'étais pas assez bien pour lui. Mes notes n'étaient pas assez bonnes. Je ne le méritais pas. Et quand il me frappait, ça c'est de ma part, et ça c'est de la part de Ted, l'Américain. Donc c'était plus violent. Mon père meurt. Nous allons à Bron pour la crémation. On revient de la crémation. Nous sommes dans la voiture. Je demande à ma mère. Au fait, maman, il était comment, Ted, le copain de papa? C'est le dernier espoir de « Oh, écoute, tu connais ton père, Ted. Bon, ben il n'a pas existé, Ted. » Et c'est dans le livre, Émile demande, et la maman d'Émile lui dit « Tu vois, comment te dire ?» Ben, il était beau comme un acteur américain, un peu comme ton père lorsqu'il était jeune. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous dites qu'elle a eu une réaction curieuse à la suite du livre, qu'elle a lu le livre. Alors, elle a lu le livre et elle a dit, mon fils, ce livre, je te propose qu'on n'en parle plus jamais. Nous sommes en juin. Et là, le tapuscrit. Mon frère dit, j'ai beaucoup ri, bon. Et elle dit, je propose qu'on n'en parle plus jamais. D'accord. Août, le livre sort. Septembre, son anniversaire. Elle me dit, il est sorti ton livre? Avec l'accent de Lyon, il est sorti ton livre? Alors je dis, oui. Elle me dit, oh, j'aimerais bien le lire quand même. Je dis, mais tu l'as lu? Ah, le gros truc, là, bon, tu sais, c'était un peu lourd, c'était écrit gros, etc. Donc je lui envoie le livre. Et ça a été la même chose, c'est-à-dire qu'elle m'a dit, écoute, mon fils, je propose que ce livre, on n'en parle plus jamais. Et je suis allé un petit peu avant quand même, mais juste une phrase. Et là, c'est pour que vous vous rendiez compte de, dans le livre comme dans la réalité, nous sommes, c'est juste avant la crémation, c'est la petite famille. Donc nous sommes dans la réalité, nous sommes 3 dans le film, dans le livre, nous sommes 4 dans la réalité. Et en attendant la crémation... Dans ce crématorium, c'est un jardin d'hiver, un petit peu. Il y a un étang et il y avait 2 carpes dorées, comme ça. Et j'avais vraiment envie que cette scène soit, parce que ma mère ne voit rien, et la mère d'Émile ne voit rien du tout. Et Émile montre la carpe, et la mère regarde le doigt, et Émile la prend comme ça, et dit, mais regarde, maman, elle est là. Ah, je ne la vois pas. Non, je ne la vois pas. Et à la fin du livre, la mère dit à Émile, puis tu sais, je l'avais vu la carpe. Mais j'aime tellement quand tu me prends dans tes bras que je t'ai dit ça. Ça, c'est du roman. Quand ma mère a lu le livre, elle me dit, mais pourquoi tu dis que j'ai vu la carpe? Je n'ai jamais vu cette carpe. Ah. Et là, c'est juste,
Comment voulez-vous en vouloir ? J'aurais des tas d'autres questions à vous poser, mais il faut que tout le monde s'exprime. Mais je vais quand même vous poser une dernière question au sujet de Luca Biglioni. Qui se rappelait Birolini en vrai. Donc, ben voilà, vous répondez en partie. Ce gamin dont Émile se sert, entre guillemets, ou enfin, en tout cas, qu'il embarque dans ce monde de mythomanie, ce monde mensonger, alors, oui, a réellement existé. Oui, c'est-à-dire que, alors, il faut remettre les choses à leur place, parce que d'abord, j'ai hésité. Est-ce que je raconte ça ? Est-ce que je le mets dedans ou pas ? Est-ce que je suis simplement l'enfant battu ? Ou est-ce que je prends le risque de raconter que j'ai un peu reproduit moi-même ? Et je trouvais ça plus juste, je trouvais ça plus... Quand j'ai écrit les deux livres sur l'Irlande, Mon traître et Retour à Killybegs, dans Mon traître, j'étais le trahi, Retour à Killybegs, j'ai tenu à devenir le traître parce que mon copain avait été exécuté et je tenais à parcourir le chemin de la traîtrise à sa place ou à ses côtés. Et en tout cas là, l'histoire est simple, c'est que moi, comme Émile, moi, je veux pas être seul dans cette histoire de tuer De Gaulle. J'ai trop peur. J'ai peur, je veux pas me retrouver seul. Et je demande à un ami qui est un pied noir, le pauvre petit pépère, qui vient juste d'arriver. Je lui dis, voilà, en fait, je suis à l'OAS. Vous imaginez, la cour de récréation. Je suis à l'OAS. Alors, j'écrivais. Mon père me faisait écrire OAS sur les murs, sur les arbres, etc. Dans la réalité, mon frère montait sur mes épaules pour pas qu'on voit que c'est un enfant qui avait écrit. Et quand je lui propose ça, je lui dis qu'on va s'entraîner pour le faire, le pauvre pépère. Il dit oui et il accepte. La différence fondamentale entre mon père et moi, c'est que moi, je crois qu'on va le faire. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de jouer, tiens, je vais te faire croire qu'on va tuer De Gaulle. Mais là où vous avez raison, où c'est un problème, et où j'ai hésité, mais je suis obligé de le dire, et je suis obligé de le raconter, c'est que quand moi, à mon tour, je lui fais, regardez-vous, fixe, je vais faire des pompes par terre, etc., etc. Je reproduis, j'ai même presque la voix de mon père. Et en fait, j'ai réfléchi après, longtemps après, en martyrisant, j'ai tout fait après pour qu'il renonce. J'ai tout fait pour qu'il renonce et ben, il n'a pas renoncé. C'est-à-dire qu'il c'est allé aussi loin que vous le racontez ? Moins loin, mais il est parti en pension. Enfin, ah, on ne l'a jamais revu à l'école. C'est-à-dire qu'il a, je lui avais donné, vous savez, les choses d'enfant. Rendez-vous à minuit. Non, aucun enfant ne vient à minuit nulle part. Parce qu'on va tuer De Gaulle demain, donc rendez-vous à minuit avec une valise, avec... Alors, il faut que tu prennes les papiers d'identité de tes parents, il faut que tu prennes leur argent, il faut que tu tires le fil de la télévision pour pas, et du téléphone, pour pas que l'on nous suive, et il faut 12 ans, et il y croit, et moi je, quand je lui dis tout ça, je sais qu'il ne viendra pas. Je sais, c'est pas possible qu'il... Et il vient. Et il vient, il sonne, et à 1h du matin, à 31 décembre, sonne à ma porte, et je vois mon petit pépère avec sa valise, et je hurle, oh, fuis, tout est découvert, le quartier est cerné, le dernier son de lui que j'ai, c'est les escaliers, qui dévalent les escaliers. Et en classe après, puisque c'était pendant les vacances, en classe, on a eu juste le proviseur qui est venu dans notre classe et nous avons eu des cours de morale sur le mensonge. Il dit que votre ami a menti, il est parti en maison de correction. J'avais fait jurer de ne jamais dire qu'on allait tuer De Gaulle et qu'on était à l'OS. Et il a tenu parole. Je l'ai cherché. Hein. J'ai toujours peur de voir un grand bonhomme... de mon âge, arrivé en disant « T'es souviens de moi, petit bonhomme ?» Et j'ai cherché sur Internet, j'ai cherché à le joindre. Et je ne sais pas si je m'excuse ou pas, mais je l'ai entraîné là-dedans parce que j'étais terrorisé. Et pas parce que je me jouais de lui. Mais, oui. mais en même temps, je découvrais le pouvoir de... Il avait peur et je le commandais. C'est la première personne que j'ai commandée de ma vie. Et je sentais en moi une barbarie qu'il a fallu que je combatte. Et ça, c'était mon père. La parole est à vous, bien évidemment. La parole est à la défense.
Ouais. Vous à l'accusation, méfiez-vous. Je crois qu'il y a, un micro, c'est plus simple. Bonjour. Voilà, je dois vous dire que j'ai dévoré votre livre en un jour et demi ou deux jours. Et tout le long de la lecture, je me suis toujours posé la question de dire, mais quand est-ce que la maman d'Émile va enfin se révolter ? Et là, vous avez un petit peu livré quelque chose qui m'interpelle. Et vous dites, en fait, que vous, enfin, qu'Émile aimait son père. Je dis, Émile aimait son père. Et je me dis que peut-être la maman d'Émile aimait beaucoup, beaucoup son mari. Follement amoureuse. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, vous ne parlez pas de l'intimité sexuelle du papa et de la maman d'Émile. Bien sûr. Et à travers le livre, je l'ai un petit peu cherché. Bon, je l'ai vu parce qu'à un moment donné, ils parlent, ils chuchotent dans le lit. Et il rit. Oui. Et je me suis dit que finalement, il y avait beaucoup d'amour chez cette femme, mais que pour son mari. Alors oui, je suis absolument d'accord avec vous, mais je croyais, je pensais, j'espérais et j'espère que cet amour pour un homme s'arrête dès lors que l'enfant est en danger. Enfin, la réponse est non. Enfin là, il n'y a pas longtemps, un homme a mis un enfant, un bébé ou un petit enfant dans une machine à laver. Et la femme est partie faire des mots fléchés dans la cuisine. Mais vous avez raison. Je pense qu'il y avait entre eux quelque chose qui était de l'ordre de l'amour. Mais la détresse de ces enfants, j'espère pour moi que ça suffit à faire voler tout ça en éclats. Dans le cas de ma famille, ça n'a pas suffi. En tout cas, quand elle parlait de nous, elle disait, mais vous... Vous, on ne vous voulait pas. C'est une jolie image. D'ailleurs, je crois qu'on a eu de la chance parce que ma première fille, Sarah, ne riez pas, elle est psychologue. Ma première fille, Sarah, a eu beaucoup, beaucoup de mal à dormir. Elle dormait très, très mal. Et elle a fait ses nuits à 3 ans. Et donc, on était réveillés 4, 5, 6, 7 fois par nuit et par des pleurs. C'était très, très violent et très dur. Et ma mère, un jour, je lui dis ça, donc elle devait avoir 4 mois. Et ma mère me dit, mais je comprends pas sincèrement, pourquoi tu pourris la vie comme ça? Tu lui mets un biberon, pièce débrouille, 4 mois. Je me suis dit, mais comment à quoi on a échappé, nous? C'est-à-dire que elle n'a pas le mode d'emploi, en rien. C'est dans le livre aussi, mais quand mon père meurt, elle ne m'appelle plus, elle ne nous appelle plus. C'est nous qui appelons tout le temps. Elle avait une vie sociale, vous avez dit qu'elle travaillait, elle avait des collègues, elle s'entendait avec ses collègues ou... Ben, j'ai une petite histoire, juste je finis ça, mais j'ai une petite histoire sur ça qui est horrible. Non mais qui est horrible, mon père meurt, elle n'appelle plus. Et je dis, maman, mais pourquoi tu ne nous appelles plus? Elle me dit, mais si on se parle. Non mais d'accord, mais tu ne prends pas ton téléphone pour nous appeler, téléphone avec un fil. Et elle me dit, oh écoute, je suis embarrassée, mais je veux pas. Pas d'ennuis. Mais quels ennuis? Parce que la ligne téléphonique est au nom de papa. Et là, je lui dis, mais maman, mais c'est pas parce que c'est au nom de papa que tu peux pas... Oh, ben tu sais, moi... Ouh là là là, elle répète toujours comme les gens très intelligents. Elle dit pas non, elle dit non, c'est l'intelligence en marche comme ça. Et là, c'est... Ouh, je veux pas d'ennuis. Ouh, je veux pas d'ennuis. Ouh, pas d'ennuis. Ouh, papa... D'accord, non, c'est bon. On parlait des collègues, si elle avait des relations. Et les collègues, alors là, je peux vous dire, c'est pas dans le livre parce que ça sert à rien. Puis parce que, elle a pris sa retraite du ministère de l'équipement et du logement. Et 40 ans dans le même service, place Dupont à Lyon. 40 ans. J'apprends qu'elle fait une petite fête dans une crêperie en face. Et je dis, bah tiens, je viens. Donc, vous voyez, malgré tout ça, hein, nous sommes dans les années 80. Et je viens, et je prends mon train, et puis je viens, et puis il me dit, oh, bah, ça fait bien plaisir de te voir. Il y a deux collègues. Une qui vient, et puis qui dit, je suis désolé, Gabriel, je peux pas rester, allez, au revoir, et bonne retraite.
Il y a deux collègues, il n'y a pas un sous-chef, il n'y a pas un demi-chef, il n'y a rien. 40 ans, c'est la vieille du truc. Elle était avec tout le monde et elle, pendant 40 ans. Il y a deux collègues, elles ont mangé leur petite crêpe, elles ont bu leur petite bolée de cidre. Et le cadeau, c'était un saladier en arcopale avec une petite fleur comme ça. Et ma mère était émue aux larmes. Oh, mais il fallait pas. Et moi, je voulais tuer tout le monde. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais retourner au ministère. Alors évidemment, de nos jours, on a d'autres images, donc je ne les ferai pas. Mais étage par étage, je vais Mad Max. Mais elle était, tout d'un coup, je me suis dit, et c'est ce que m'a dit mon frère, il m'a dit, mais Sorge, c'est sa vie. Donc, est-ce que c'est parce qu'elle était très chiante? Est-ce que c'est parce qu'elle était bizarre? Est-ce que c'est parce que... Mais en tout cas, ces deux copines qui, mais physiquement, qui regardaient l'heure au bout d'un quart d'heure en train de boire leur bolet de cidre, avec ce truc en arcopale qui a coûté 3 francs 6 sous, et elle, mais qui avait les larmes aux yeux devant tant de gentillesse, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est pas possible. J'ai pleuré pendant tout le retour en train à Paris de la dégueulasserie du monde, quoi. De la dégueulasserie. Même sur elle, même après ce qu'elle avait fait, même parce que c'était la suite de tout. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle connaît de l'amour? Qu'est-ce qu'elle connaît de la tendresse? Qu'est-ce qu'elle connaît de... Si ce qu'on lui apporte même là, c'est ça, ben je comprends que ben lorsqu'on aille chez elle, on n'est pas un verre d'eau. Je suis désolé, je plombe un peu. je suis confus. Madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Je vais peut-être poser une question indiscrète, mais comment on arrive à construire une vie après tout ce dont vous nous avez parlé? Excusez-moi. D'abord, on détruit tout ce que le père a semé, donc 20 ans de guerre, donc des destructions de ma propre famille en préférant... le conflit à la paix, la guerre aux petits blancs qu'on boit en terrasse avec les amis, et puis apprendre. Moi, quand je suis sorti de chez moi, j'ai l'impression que je n'étais même pas habillé. C'est-à-dire, j'étais nu, mais mes parents ne m'avaient pas habillé. Je n'avais pas de socle. Et il a fallu que à 16 ans, hein, je sors, j'étais sans domicile fixe, je ne veux pas faire pleurer Margot, c'est pas le problème, mais j'étais sans domicile fixe, hein, pendant, j'ai dormi dans les squares, les portes cochères, à Paris, je suis venu à Paris, je me suis isolé, c'était drôlement bien à l'époque, parce qu'il y avait encore les petites bouteilles de lait à Paris, sur le pas des portes, vous rendez compte comme c'était bien, et les restaurants jettent le pain le soir, enfin, on peut vivre, hein. Alors, à l'époque, on n'était pas des clochards, on nous appelait des hippies, mais en tout cas, je n'avais pas de toit, je n'avais rien. Il a fallu que je reconstruise. Non, que je construise. Il a fallu que je me couse des habits, il a fallu que je fasse une cotte de maille, il a fallu que je me forge un glaive, une carapace, une cuirasse, un home. J'étais pas armé pour partir au combat. Et donc, j'ai fait ça seul. Et surtout, j'ai été entouré, c'est-à-dire que je suis tombé sur des gens qui m'ont aimé, qui m'ont appris ce que c'était qu'une, enfin, que lorsqu'un enfant dort, ben, il n'y a rien de mieux de lui raconter une histoire avec ses yeux qui partent comme ça. Mais ça s'apprend, c'est-à-dire que j'ai pas eu ça, j'ai rien eu. De tout ce qui fait l'humanité. Je n'ai pas été autorisé à apprendre à aimer. Donc, il a fallu que je m'en sorte. Voilà. Mais je m'en suis plutôt... alors, je ne suis pas fini. C'est vrai, c'est pas possible que je parle d'une enfant qui s'endort avec une histoire avec des larmes dans les yeux. C'est pas normal.
mais en même temps, je fonctionne. En même temps, je me lève le matin, j'ai un métier, j'aime mes filles, je les élève, etc. C'est-à-dire que j'ai suffisamment pour fonctionner. Mais je ne suis pas doué pour le bonheur. C'est quelque chose que je n'ai pas appris. Donc ça fait à vivre pour l'autre, c'est un peu chiant. C'est-à-dire que à Noël, il y a toujours un moment où je craque parce que alors Noël, c'est vrai que pour tout le monde, c'est pas génial non plus. Je connais personne qui dit ouais, génial Noël. Noël, c'est le moment où, peut-être que des gens aiment, mais je connais mes limites et mes limites, c'est ça. Mes limites et mon frère, c'est terrifiant le regard de mon frère. Mon frère, il est pas comme moi, il est UMP, donc maintenant républicain. Il a plein de copains. Quel métier a-t-il, lui? Alors, vous allez rigoler. Au tout début, il était détective privé. Ouais. Parce qu'à l'époque, je vous rappelle, c'était une sale période où l'adultère était condamné par la loi. Voilà, donc, essentiellement, le métier des détectives privés, c'était de faire « ha-ha !» et d'entrer avec un serrurier, avec un huissier, etc. etc. Aujourd'hui, il travaille chez un notaire, comme ça. Mais lui, donc il est adjoint au maire d'une petite commune du Beaujolais, il est parfaitement heureux, ses copains républicains, la piscine, la maison, tout va bien, et comme moi, et il y a toujours ce moment, mais que moi je sens, que moi je perçois, où tous les copains sont là, où on a picolé, où il fait beau, où il y a les trucs qui battent à table, les trucs qui brûlent, le petit vin, le petit rosé, puis il se met sur une chaise comme ça, et brusquement, moi je vois l'enfant. Moi je vois l'enfant. C'est-à-dire que c'est même pas se dire « Yes, voilà, j'ai fait ça, j'ai construit ça ». Il y a toujours un moment où il y a quelque chose au fond de nous qui nous tire vers le sol et qui nous tire vers les ténèbres. Et ça, je leur en veux. C'est-à-dire qu'ils nous ont élevés dans les ténèbres et j'ai du mal avec la lumière. Ça va être, pardonnez-moi, mais la toute dernière question, je suis obligé. J'ai toujours... dernière question en public. J'ai toujours une crainte, c'est un monsieur qui me dit « Bonjour, je m'appelle Birolini ». Ça, c'est... Là, c'est une jeune femme. Oui, je suis la fille de Birolini. Non. Oui, je me demandais, en fait, c'est une question purement un peu formelle, est-ce que vous avez parlé de la construction romanesque, vous n'avez pas parlé d'autobiographie, du coup vous avez parlé de roman. Oui. Est-ce que le fait du coup d'écrire un roman, vous avez dit également que quand vous inventez des métiers dans vos livres, vous vous cachiez, vous vous protégiez. Est-ce que c'était vraiment une nécessité pour vous d'écrire cette construction ou un choix esthétique ou... Oui, parce que j'aurais... Ça va vous paraître étrange parce que je suis à poil là, donc... Mais en même temps, j'aurais fait l'enfance de Sorge Chalandon, etc. Je trouve ça obscène. C'est-à-dire que je suis obligé d'aller monter Antigone à Beyrouth. Je suis obligé d'être un luthier pour brusquement être trahi par un copain irlandais, par mon frangin d'Irlande. Je suis obligé d'être un restaurateur de tableaux parce que je répare la beauté, parce que je suis obligé de donner à quelqu'un d'autre le pouvoir de me raconter, mais jamais, c'est-à-dire c'est peut-être c'est une façon pour moi de dire je, de me réapproprier le je, parce qu'un reporter ne dit pas je quand je suis à Sabra et Chatila, quand je marche dans du sang humain, quand je vois des enfants décapités, je peux pas dire je pleure, je peux pas dire ça, je parle de l'enfant décapité, mais ce je après, moi je rentre avec moi, avec toute ma douleur, toute ma colère, toute ma peine, tout mon désarroi, je rentre avec. J'en fais quoi? Quand on rentre en France, on ne t'écoute pas. Tous ceux qui ont fait les guerres, qui ont connu les guerres, ou qui ont été déportés, qui ont été emprisonnés, quand tu rentres en paix, personne ne t'écoute jamais. Au début, si, bien sûr, par politesse, mais à la fin, tu es de plus en plus en bout de table parce qu'il fait chier avec son histoire de guerre d'Algérie ou de je ne sais pas quoi, il m'emmerde. Et moi, j'ai vécu exactement ça. Et je me suis dit... Je ne veux pas l'histoire de Sorge Chalandon, journaliste, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une douleur, un moment qui soit partageable.
Et moi, je pense que ma douleur, elle ne l'est pas. Je pense que la douleur d'Émile, elle l'est. Et je ne veux pas partager pour dire, tiens, je t'enfile un peu, parce que ce n'est pas ça. C'est que il y a des gens qui me disent, mais est-ce que ça vous guérit ? Pas du tout. Les images de Sabra et Chatila, je veux qu'elles restent dans ma tête pour ma vie durant, justement, parce que je sais ce que c'est. Et justement, maintenant, je sais ce que je combats et pourquoi je me bats. Donc, toutes ces, je ne veux rien oublier. Plein de gens disent, ouais, il faut tourner la page, mais ils ne l'ont pas lu. D'abord la lire, ensuite la tourner si c'est possible. Mais en tout cas, lorsque j'écris ces livres-là, c'est parce qu'à chaque fois, je veux me séparer de ce que je suis. Je veux me séparer de Sorge Chalandon, journaliste dont on s'en fout, il y a assez de journalistes dans les journaux, pour brusquement vous raconter, pour me réapproprier le « je », mais que ce « je » ne soit pas moi. Il faut que je me protège. Même si là, je vous parle comme ça, il faut que je me protège. Moi, j'ai gagné. J'ai gagné quand une petite dame vient me voir dans un salon du livre en me disant oh, « pauvre Émile, j'ai gagné. J'ai gagné. » Et tandis que « oh, pauvre Sorge, là, j'ai pas envie. » Donc, je n'imagine pas. Je trouverais qu'il y ait obscénité. D'autres le font très bien. Hein. Il y a d'autres auteurs, comme vous savez, qui sur le viol, nanania, qui bon, mais ils le font, c'est leur besoin, c'est leur envie, c'est leur vérité à eux. Pour moi, ma vérité à moi passe obligatoirement par le roman. Je ne suis pas metteur en scène de théâtre, mais j'ai souffert de Sabra et Chatila. Je ne suis pas luthier, mais j'ai souffert de la trahison d'un frère. Je ne suis pas restaurateur de tableaux, mais j'ai souffert de ce père-là. En tout cas, me mettant à distance comme ça, j'ai toujours la possibilité de me protéger, même si le masque est transparent. Je vous remercie, Monsieur Chalandon. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, si vous souhaitez que ces ouvrages vous soient dédicacés, c'est à l'extérieur.